Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil sur Planète Zoo. On reprend et on va aller voir notre enclos Alou. Bon, j'ai jamais des jouets de partout. Et donc, on va mettre nos loulous sur population. Mais non, pas déjà. Ah, ça va, c'est un qui va vite. Parce que quand c'est les grenouilles, il faut en enlever tellement. Du coup, hop, je m'en occuperai plus tard. Et je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Ce symbole. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça veut dire qu'elle est enceinte. D'accord, c'est le symbole de grossesse. Eh ben voilà, on en apprend toujours. Donc je fais bien d'en enlever un parce qu'elle est encore pleine. Ok, bon ça va, ils en font un par un, ce qui est assez bizarre. Et c'est qu'est-ce que quoi? Ah, recherche terminée. Sur nos phacochères, sur nos grenouilles. On va avancer les phacochères aussi parce que les pauvres, ils n'ont pas spécialement de super jouets. Du coup, les grenouilles, du coup, je regarde juste vite fait si on peut leur mettre des nouvelles plantes qui conviennent mieux à leur habitat. Non, on a déjà tout. Ah, si. Si, si, si. Voilà, du coup, le terrarium devient vraiment de plus en plus spécifique à l'espèce. Là, il faut qu'on refasse des recherches. Et à mon avis, les grenouilles, on doit avoir aussi. Ah non, il faut qu'on refasse des recherches. Du coup, là, les recherches, on était sur... ils sont sur quoi, là? La grenouille, c'est bon, tu peux te détendre, Micheline. On va plutôt faire bah, les serpents. Les serpents, les lilicaons, ils ont une tonne de jouets. Fais un peu. Puis les lilicaons, on est bon. Les lilicaons, on a bah, plus que ça. Et je sais pas trop ce que ça donne. Non, là, les lilicaons, on est bon. On est bon en lilicaon, on est des professionnels du lilicaon. Donc pas de bébé facochère. Et on va les poser nos loups. Et du coup... mettre leur habitat comme il convient. Tête, tête, tête. Non, mais loups n'ont pas disparu. Non, non, il n'y a pas... Non, il n'y a pas intérêt. Non, je le vivrai pas bien du tout. Hein. Voilà, super, merci. Hop. Allez, tu peux le faire. Super. Et l'autre. Voilà, vas-y. Hop. Et le mâle aussi. Hop, dans le monde perdu. Voilà. Si good! Et du coup, on achète quoi comme prochaine espèce? Si on y arrive, parce que bon, on a toujours pas mal de feuilles. Grâce aux deux lilicaons qu'on a vendus. Bah non, non, on fait pas de recherche spécifique, mais tout. Le prix, je mettrais bien du plus petit au plus grand, même si les moins chers, c'est sûr qu'on pourra pas les acheter, parce qu'il va y avoir 100 personnes de travers le monde qui vont cliquer en même temps dessus. Un autre mâle loup, non. Une autre femelle. C'est vrai que l'enclos est vraiment grand. Attention. Oui, bon, on a une autre fifi. Les pans. Je ne sais pas. Après, on pourrait se faire un grand enclos de zèbres et de springbok. Ça, ça peut être très sympa. On verra ça après, tiens. Et les autruches. Ah, comme on a dit que les autruches se reproduisaient beaucoup, 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 beaucoup. Ça peut permettre de faire des sous dans le zoo aussi. Ok. On a nos loulous. Du coup, on en a trois, finalement. Puisqu'on a réussi à acheter notre fifi. Je n'ai pas regardé les âges et les longévités. Ça, c'est pas bien. Oh, ouais. Ça va? Viens là, viens là. Alors. 3 ans. Ça va, ça me paraît pas si mal. Pour le moment, ils sont pas mal, hein, au niveau du bien-être et tout ça. Il y a quelques trucs à avoir dans l'habitat, mais 4 ans. Le troisième va arriver, comme on l'a acheté après. Ah, il me faut aussi un soigneur, là. Pour venir nourrir. Bon, allez, je prends un des loups. Oh, mais oui, on dirait Ghost, c'est génial. Oui, Ghost, il fait ça tout le temps. L'habitat ne va pas du tout. Eh ben, les plantes, c'est pas si pire. Ils n'ont pas besoin de plantes. Mais par contre, le terrain, ça ne va pas du tout. Ils ont besoin de moins d'herbes longues et de plus de terre. Et un peu plus de neige, ça ferait pas de mal. Du coup, il faudra sûrement mettre un climatiseur. Alors attendez, vous avez dit qu'il vous fallait plus de terre. Terre légère, je pense. Je vous fais un petit coin de terre comme ça. Voilà. Pas trop de terre quand même, je suppose. Mais du coup, bon. Attendez, on va mettre beaucoup de terre et je vais mettre de la neige dans le fond. Donc tout ça, on va mettre de la terre. Ah ouais, en fait, ils détestent les herbes longues. Mais après, à un moment donné, je vais mettre trop de terre. Bon, on mettra des herbes courtes, non? Ouais, parce que là, à la terre, on est à la limite. On va mettre un peu de neige. Là. Ah oui. On va d'abord mettre des climatiseurs. Pardon.
Chauffage, ventilateur, froid. Ah, c'est un ventilateur pour le froid. Là et là. On va juste faire une petite zone de neige. On n'a pas besoin d'une énorme zone de neige, je pense. J'espère que je les ai bien mis. On va tester. C'est pas ça. C'est pas ça. En même temps, des ventilateurs, c'est vrai que ça me paraissait étrange. Ou alors, je leur ai pas laissé le temps. Attendez. Portée 20. Réduction. Ah, ça y est, ça y est. Ah, j'ai pas laissé le temps. 2 degrés. Température ambiante 2,0. Puis je mets de la neige maintenant. En enlevant ça. Ah, vous battez pas. Voilà, ça y est. On se détend là. Oh, oh, oh. Ça y est, il a compris. Il a compris. Il a compris. C'est bon. Ah bah super, vous vous êtes blessé. Bah bravo. Génial. Toi aussi? Eh bah super. Bah bravo. Et tout ça pour qu'il n'y en ait aucune des deux qui soit la dominante. Il y en a... Ah si, ça y est. Si, ça y est, c'est celle-là, l'alpha. Elles se sont mis d'accord. Ouais, le mâle, ça va être forcément l'alpha. Voilà. Ça y est. Elle a... Les femelles se sont mis d'accord sur qui avait le mâle. Mais maintenant, il faut qu'un veto vienne les soigner. Et elle. Ouais, voilà, c'est bon. Oula, 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 qu'est-ce qui se passe? Oula, j'aime pas quand il y a tout ça. Surpopulation dans tous les terrariums et les loups sont en besoin faible. Oui, je suis sur le coup. Je suis sur le coup. Du coup, on va mettre un peu plus de neige. On va remettre un ventilo parce qu'en fait, c'était bien ça. Si je le prends, je peux pas juste le dupliquer. Si... On va mettre toute cette zone-là en neige. Voilà, je vais attendre qu'il fasse son boulot. Il faut que j'enlève. Ils aiment pas les herbes. Ah ouais, pour les soigner, elle les emmène. Elle les remet dans une... Mon Dieu. Elle les remet dans une boîte et... Eh, d'accord. Donc, il faut que de l'herbe courte. Alors, on va se remettre sur un loup. S'il en reste, il doit rester le mâle. Non, pas colorer le loup. Viens là, Maurice. Bah oui, bah tes femelles se sont battues, hein. Tout ça pour que t'en aies qu'une au final. C'est quand même dommage. Ok, il y a le seul arbre qu'ils ont. Je sais même pas pourquoi ils ont un arbre. Pourquoi vous avez un arbre? Bah... Et vous avez pas d'arbre dans votre enclos? J'ai pas mis de plantes encore. Bah non. Il n'y a pas de plantes encore. Bon, bah la seule plante qui il paraît qu'ils ont... Ah, c'est parce que ça dépasse. Ah, c'est celui des phacochères qui dépasse de trop. Ah, mais je voulais le décaler. Oh là là, n'importe quoi. Bon, faites des bébés, vous, un peu. Du coup, alors, on était sur la neige. C'est bon, elles sont réparées, les deux morues. On sait toujours pas, c'est toujours le même. Donc, on était sur la neige, là, voilà. Allez, courage, le ventilo, là. Le ventilo de la mort. Ah, je les ai trop, d'accord, trop espacés. Sauf si je fais ça. Ah, ça va être pile poil, je pense. Je pense... Ah, c'est quoi ça? Je pense qu'on va être pile poil. Non, bon, bon, on va le décaler un peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Ouais, bah vous rebattez pas, hein. Sinon, je suis obligée d'en vendre. Ah, il faut que j'attende maintenant. En fait, j'ai déplacé, mais je suis même pas sûre. Je l'ai déplacé assez. Si ça devrait aller. Attendez. Tant qu'à faire. On va le mettre comme ça. Oh, on peut choisir la couleur du ventilateur. Bah, le plus clair possible, non? Comme ça on les voit pas trop. C'est bien ça. Hop. Ah ouais, il y a plusieurs couleurs. Bah moi je les veux le plus blanc possible pour pas que ça saoule. Allez, on a un tout petit peu de gris avec. Ah ouais, ah on peut les faire fluo et tout, mais tiens, on peut les faire roses, quoi. On peut mettre des ventilos roses, quoi. Moi, pour le coup, je préfère la discrétion. Hein? Des petits ventilos discrets dans la neige. On va attendre qu'ils refroidissent bien et on va mettre la neige. Ah, bah du coup, il se rappelle qu'il y avait de la neige. Ok. Ouais, bon, il y a une micro-zone entre les deux. Bon, on fera pas mieux que ça.
Viens, tais-toi. Dis kiki, yala. Ah, là, ils sont mieux. Bon, faut que je leur mette des... Il y a encore trop d'herbes longues. Mais là, c'est chaud, parce que qu'est-ce que je peux ajouter? Je peux ajouter de la neige. Les saligots. Eh ben, on va rajouter des climatiseurs. D'accord. Vous jouez à ça. Vous jouez à ça. On en met un là, et on en met un... Voilà. On va les laisser refroidir. Ah bah il fait nuit d'un coup. Oh mais c'est pas vrai! Arrêtez de vous battre! Oh les sales bêtes. Ah, il faut qu'un seigneur va te mettre à manger. Ah non mais elle veut la place. Hein. Elle veut la place d'alpha. Hein. Ah merde, deux femelles, c'était pas... Le problème c'est que si je remets un mâle, eh ben, les mâles vont faire la même. Puisque dans une meute, il n'y a qu'un couple alpha. Normalement, l'autre femelle, elle ferme sa gueule et elle s'occupera des petits avec la première. Ça fait deux fois qu'elle te dit que t'es pas assez fort. Il va peut-être falloir que tu la crois à un moment donné. Bon, cette fois, elles se sont pas blessées. Pourquoi vous n'avez pas à manger? On a un mec qui est déjà en train de réparer. Et là, on a un soigneur qui est en route. Ok, c'est pas si mal. Y a pas non plus dans ta balle? Y a plus dans la balle non plus? Attends, on réinitialise et on voit s'il faut aussi demander... ah bon, on peut pas faire plus. Bon, il y a un soigneur qui arrive vous mettre à manger. Oh la vache. Attendez, il y avait d'autres joujoux encore. Parce que vous avez pas l'air plus fan que ça des cartons, vous. On va virer le carton. Et on va vous mettre... Il y avait d'autres jouets. Il y avait ça. Ah, ça, ça a l'air top. La grosse baballe de la mort. Et du coup, on remet enfin notre neige. Maintenant que les climatiseurs ont dû bien refroidir. Voilà. On se fait une belle zone de neige. Bon, il y a des petits moussons, mais c'est pas grave. Comme ça, ça marche, voilà. Bon, ils sont contents. Je vais peut-être quand même vous mettre... Ah, bah si, lui joue avec un des jouets. Je vais quand même vous mettre un minimum de déco. Et ça, par contre, c'est super chiant pour cliquer dessus, là, pour en savoir plus sur l'habitat. Et les deux filles, moi, je vais finir par en vendre une. Hein. Alors, il y a encore trop d'herbes longues. On peut encore ajouter de la neige ou de la pierre. Ah, de la pierre, ils en ont pas trop. Donc, on va mettre un peu de pierre. Non, un nouveau terrain, s'il vous plaît. De la... Roche lisse. Ouais, ça monte la pierre. Voilà. Et on va remettre un peu de terre. Ils aiment pas l'herbe, hein. On est bien là. Ah non, il y a encore un peu trop d'herbe longue. Tout petit peu trop. Ouais, ils avaient plus d'herbe là, les gars. Hein. Là, il n'y a plus d'herbe, hein, c'est bon. Les plantes. Bah ça leur convient qu'il n'y ait pas de plantes. Ah les saligots. J'aimerais bien mettre quelques plantes quand même, les doudous, ou alors des cailloux. On va vous mettre des cailloux alors. Des cailloux blancs. Il y a des cailloux blancs? Il n'y a pas des cailloux blancs. Ouais, carrément des marrons alors. Pour bien... Ah ouais, on installe les cailloux dans le noir, comme ça on n'y voit rien. Impeccable. Hop. C'est pas mal comme ça, ça fait une petite montée. Ouf. Me dites pas qu'elles se rebattent encore. Et je vais finir par devoir en vendre une. J'aurais pas dû racheter l'autre en fait. Qu'est-ce qui se passe? Oula, qu'est-ce qui se passe? Blessure. Bah non. Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes battus encore. Pourquoi ils sont battus eux? 11 ans, 11 ans. Oh là, ils sont vieux en plus. On a des vieux lycaons qui sont foutus sur la gueule. Bah bravo. Oh, notre population de lycaons là. le carton a eu comme un problème. Là, notre population de lycaons, ça ne va pas parce qu'ils sont tous vieux, ne se reproduisent plus. À un moment donné, on n'en aura plus. Ah ouais, mais ils sont combien cette foutue sur la gueule? Bon bah le veto s'en occupe. Nos facochères vont bien, ils n'ont toujours pas fait de bébé. Et donc nos loups. Oh là là. Ça passera pas. Hein. Ça ne passe pas.
Il y a la nouvelle fan, donc l'Oméga, si je ne dis pas de bêtises, qui est constamment en train d'essayer de reprendre l'autorité sur l'alpha. Ça va, elles se sont pas blessées cette fois. Et le mâle, lui, rien à carrer. Hein, rien à carrer. Par contre, du coup, lui, il est censé être en couple avec elle. Hein. Ils sont tous les deux alpha, donc c'est forcément le couple alpha. Ce qui prouve que ce truc-là ne marche pas actuellement. Ah ouais. Elle est pas super. Hein. Par contre, ils sont pas ultra fertiles. Et lui, ça va. Elle est pas top top, mais ça devrait aller. Et donc, trois combats et une blessure. Super. Bah, mon âne attend qu'ils aient des petits maintenant. Transformateur, problème électrique. Le mécanicien est en route. Ah, il est dessus. Bon, je crois que je vais placer. Bon, je crois que je vais laisser que le couple alpha pour le moment. Parce qu'elles ne font que se battre. Non, mais regardez l'état, quoi. Elle a des griffures partout. Est-ce qu'elles se sont encore blessées? Non. Parce que là, elles se battent trop, en fait. Elles sont continuellement en train de se battre. Et je suis pas sûre que ce soit bon. Elles vont pas faire de bébé, déjà, dans ces conditions-là, je pense. Écoutez, je vais tester de la mettre dans le centre de trad. Donc je vous rassure, ça ne veut pas dire que je l'ai vendue. Elle est juste, je vais juste la déménager. Je vais vous montrer, en fait, ça va la mettre dans le centre où je vends aussi mes surpopulations de grenouilles. Je passe mon temps à vendre des grenouilles. Ça la vire pas totalement. C'est-à-dire que je pourrais la reprendre et la remettre. Sauf si je décide effectivement de ne pas la garder. Mais pour le moment, bien évidemment, je la garde. En fait, elle est dans le centre d'échange. Voilà, vous voyez, elle appartient toujours au monde perdu. Mais je peux soit la vendre, oh, ça vaut pas le coup, hein, soit la remettre à la maison. Donc là, j'attends de voir ce qui se passe. Si une fois le couple tout seul, il se reproduit, s'ils sentent mieux. Normalement, une meute de loups, il y a plus de monde que ça. Mais peut-être qu'en fait, soit elle recherche l'autorité constamment comme ça parce qu'elles sont que deux femelles. Donc dans ce cas-là, au lieu de l'enlever, il faut que je rajoute une autre femelle au moins. Ouais, c'est limite, mais ouais, ils sont plus trop. Ah, ils sont quand même considérés comme trois, même si elle est dans la réserve. C'est pratique. En fait, voilà, soit ils n'étaient pas assez nombreux, et du coup, en tant que deux femelles, bah, ils étaient constamment en train de se dire « Non, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi. » je sais pas. Soit je sais pas. l'habitat n'est pas bon. Comment ça l'habitat n'est pas bon? Comment ça? Ah merde! Vous avez trop chaud! Ah bah je vais remettre encore de la neige alors. Bah. Comment ça vous avez encore trop chaud? Sérieusement? Bah on va en remettre. On en remet un là et un. Ah j'aurais dû les copier comme ça la couleur était bonne. C'est pas grave. On va en remettre un là et un là alors. Et ensuite je vais vous remettre de la neige. On va les recolorer. Bah si celui-là il est censé être blanc. Et du coup j'aurais dû copier un blanc. C'est pas grave. Bon ça recommence à bugger. Personne ne nourrit les loups. Vous voyez ils rentrent comme des connards. Et voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y avait effectivement une zone de travail vide que j'ai supprimée. Bon. On va essayer... ouais, que tu t'occupes de ça, monsieur. Avec ça. Peux-tu t'occuper des loups? En toi, on peut dire que t'es associé au loup, par exemple. Par contre, je sais plus c'est quoi la zone pour... la zone là-dedans. Bon. On te met aussi ces machins-là. Je sais plus trop qui est quoi là-dedans. Je sais pas si c'est utile. Mais bon. Il y a une autre cabane de soigneurs. C'est quoi tout ça? Là. Si tu préfères celle-là. Donc toi, monsieur, tu as signé à nourrir les loups. S'il te plaît.
Nourris-moi les loups. Ils vont mourir de faim parce que mes soigneurs ne leur mènent pas à manger. J'ai 4 soigneurs? 4 ou 5 soigneurs? J'ai 4 soigneurs. Les autres n'ont pas de zone de travail, mais d'habitude ça fonctionne très très bien. Genre l'agent de sécurité, on peut peut-être lui dire de faire tout ça. Hein, c'est un agent de sécurité. Elle est censée faire un peu tout. J'ai vraiment du mal avec les zones. Pour le moment, c'est vraiment le truc sur lequel je sèche. Il n'y a rien à faire. Je sèche complètement sur les zones de sécurité. C'est vraiment le gros bug que j'ai constamment. On va réessayer, hein. Parce que là, les loups, ils sont en train de mourir de faim. Vraiment. Vraiment, vraiment. Recherche, ok. Ouais, mais c'est possible de... Ok. Recherche sur le bois. Ok, on a encore des recherches en cours. C'est possible de nourrir les animaux, s'il vous plaît. Les loups ont faim. Et non, mais ils ont vraiment faim. Vrai de vrai. Ils ont vraiment faim. Non, maintenant il va pas chercher à manger. Voilà, il va regarder. Voilà. Alors ça, c'est le truc vraiment qui me stresse et qui m'énerve. Parce que là, si je perds mes loups de faim... Si je... Mes loups meurent de faim... Ouais, mais bon, le bien-être faible, ils sont vieux, hein, mes licaons. Si mes loups meurent de faim... Ah bah les licaons aussi ont faim. Ah bah là, y a... par contre, il y a à manger. Hein. Mais c'est fou ça, parce que les licaons, ils ont bien à manger, il n'y a pas de problème. Mais les loups, non. Et si je remets une porte plus près? Peut-être qu'ils ont pas envie d'aller jusque là-bas, que ça les emmerde, que c'est des grosses fédéastes de la mort, et qu'on pourrait leur remettre une porte là. Pourquoi tu ne veux pas? Là, c'est rouge, donc ça va pas vouloir non plus. Ajout de plusieurs entrées. De quoi? On n'a pas le droit de mettre deux entrées. Ajout de plusieurs entrées d'habitat en habitat, oui. Donc ça te perturbe. On n'a pas le droit de mettre deux entrées. Du coup, bah écoute, on va supprimer cette porte-là. Juste la porte. La porte. Fais pas un trou, hein. Ok. Et on va mettre une porte plus par là. Peut-être que c'est juste des grosses fainéas qui n'ont pas envie. Oh merde, ça a fait un trou! Qu'est-ce qui se passe? Bah non, les loups sont toujours là. C'est les licaons alors. Mais non, ils sont toujours là. Mais ils sont toujours dans leur enclos. Ok, on va les capturer. C'est pas, c'est bien, ça coûte pas cher. On va remettre une porte. Il y a encore des bugs, hein, parce que là, en fait, ils pètent un plomb. L'enclos est toujours fermé. Les loups sont toujours dedans. Mais comme j'ai touché à la porte, il y a eu une perturbation dans la force. Et du coup, les gars, ils vont pas bien. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, effectivement, ils me les trouvent dans la rue, alors que moi, je les voyais dans l'enclos. D'accord. Et on a encore une surpopulation. Et on a un bien-être faible chez... Bah oui, mais j'arrive pas. Et alimentation aussi. Pourtant, vous avez à manger, hein. Bon. Avant que je remette les loups chez eux, pouvez-vous, s'il vous plaît, par le plus grand et obscur des hasards, nourrir les loups? Oh, 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 il a mangé un truc. Je crois qu'il a mangé un truc. Je suis pas sûre, hein. Il a mangé un truc. Oh, punaise. Oh, punaise, c'était dans la balle. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui a rempli la balle. Il y a quelqu'un qui a réussi à remplir la balle. Il a mangé dans la balle. Bah, mon vieux. Et toi? Toi, t'as toujours méchamment la dalle. Eh bah, et tu n'étais pas tellement content. Ok, soigneur en route. Oh, je me désespère tellement. C'est insupportable. C'est la partie insupportable. Gérer les employés. C'est il y a deux gros trucs méga lourdingues pour le moment, alors que le jeu est génialissime. C'est l'achat des animaux, même si aujourd'hui c'était un tout petit peu moins pénible. Je sais pas s'ils ont déjà grossi leur serveur. Et la gestion des employés. Les employés sont débiles. Mais à un point... Je ne pensais pas ça possible. Ils sont vraiment cons comme leurs pieds. Ah! Eh ben non.
Non, non, c'est juste allumé. Je crois que je me suis dit, ah, il y a quelqu'un qui... Non, 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 c'est allumé. Mais non. Non, personne ne fait rien. Bon, bah les loups se nourrissent avec le jouet, qui lui a l'air d'être automatique. Dès qu'on le remet, il a l'air de se remplir de viande. Donc les loups jouent avec ça. C'est top, hein? Enfin, mangent avec ça, je veux dire. Ils mangent grâce à ça. Voilà. Et j'ai beau assigner spécifiquement la zone à un soigneur qui est en forme, qui est en train de bosser, ou les laisser gérer tout seuls, il n'y a rien à faire. Ils ne veulent pas venir me remplir ces foutues gamelles. Voilà, je passe mon temps à appeler, il ne se passe rien. Donc là, par exemple, celui-ci, je lui ai mis vraiment une zone de travail spécifique qui comprend deux habitats et deux bâtiments. Donc ces deux habitats-là et ces deux bâtiments-là qui servent à récupérer la nourriture et à la préparer. Mais il s'en fout, Germain. Il s'en bat, ces petits ovaires mignons. Du coup, je ne sais plus quoi faire. Quand je mets rien du tout, quand je mets aucune zone de travail, ça change rien. Voilà, ça y est, moi là. Oula, d'accord. Là maintenant, il m'a mis le personnel comme ça. Il m'a tout mélangé, il y a plus... Oula, non mais la section... La section emploi... Il y a encore de l'équin, ils sont foutus sur la gueule. On va y aller. Appeler le vétérinaire. Voilà, c'est bon, le veto y va. La section des employés est vraiment un vrai gros problème. Surtout quand on pense que, bah du coup, c'est eux qui nous soignent, nos animaux. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'ils peuvent très bien y arriver, hein. Le veto tout à l'heure, il est venu chercher des loups blessés, il est venu les réparer, si on peut dire. Donc, je... Oh, Lini, pitié, ils sortent d'où ceux-là? Ah bon, on a eu des petits facochères. On a eu des petits facochères. J'arrive pas à avoir des loups, mais on a eu des petits facochères qui ont l'air de manger. Non, vraiment, c'est... La gestion des employés en même temps. Vous allez vous barrer, bande de chiens. Voilà. Dans la gestion des employés, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que là. C'est-à-dire que là, quand on aura des loups, des louveteaux, si on arrive à avoir des louveteaux, ils vont pas tous manger dans la balle. Hein. Ça va pas marcher, ça. Du coup, je n'arrive pas à comprendre. Là, techniquement. Ah, ça s'est remis. Cet employeur-là est vraiment assigné à cet enclos-ci, spécifiquement. Mais il s'en bat, c'est joyeux, Nelson. Ah, Nelson, il s'en bat plutôt ses pesticules. Donc il s'en bat joyeusement ses pesticules, il travaille, on ne sait pas ce qu'il fout. Les autres, bon, lui, on sait qu'il est en train de boire un café, mais les autres, ils sont censés aller partout, puisqu'ils n'ont pas de zone de travail spécifique. Ils sont donc censés aller partout. Personne ne veut aller bosser chez les loups. Je sais pas ce que les loups ont fait à mes soigneurs, mais ils ne veulent pas leur donner à manger. Bonsoir. Ça va être un vrai problème. Ça va être un vrai problème. Oh mon Dieu, il y en a partout. Oh là là, il y en a de partout. Oh là 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 là, ça y est, c'est Kiki, c'est Kiki. C'est qui sont les Snorky? Qui? Est-ce toi? Oui, descendance de 6. Mon Dieu. Bah, tant, 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 tant. Si, bah si, tant. 4, 5, 6, 7. Oula, tant, tant. 8, 9. Oula, tant, tant. Il y a eu deux portées là. Vous en avez fait chacun une. Descendance de 5. Ok, on a eu deux portées de facochères. Il fallait juste leur laisser le temps. Voilà. Donc du coup, bah là mon enclos, je ne sais plus quoi faire. Ah, tu faisais caca avec ton jouet dans la gueule. Je sais plus quoi faire. Là, je... Oh la vache, il fait chaud. Heureusement qu'ils ont de la neige de partout. Il fait super clair. Là, je sèche. Totalement. Je ne sais pas comment nourrir mes loups. Surpopulation, bien-être faible, parce qu'ils doivent être en surpopulation. Bah. Ah voilà. Et voilà. Et qui sont trois, ils sont surpopulation. Bien-être faible. Ah, faim. Ah bah tu sais, c'est la routine, hein. Si t'as à manger, toi, tu abuses parce que tu as à manger. Donc tu vas manger et tu n'exagères pas.
Bon bah écoutez, je vais essayer de réparer ce bug. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il y a encore quelques bugs. Je crois que l'on peut considérer qu'il y a encore quelques bugs. Bon, bah voilà, mes pauvres loups, ils vont pas très bien à cause des méchants soigneurs. Du coup, on va lui enlever dans une autre zone de travail. Mais comment tu peux être dans une autre zone de travail, Maurice, puisque je t'ai... Il veut pas se remettre en vert. Mais pourquoi, Maurice, tu ne veux pas être en vert? Je t'ai demandé de travailler là. Maurice, s'il te plaît, travaille. Tu es payé pour ça. Donne-moi-le, ton boulot, si t'en veux pas. Moi, je le prends. Bien-être fait, bien-être faible. Ils ont quoi, les petits facochères? Ah, mais par contre, on a peut-être... Ils sont peut-être nombreux. Non, ça va. Peut-être que... Oula, les gens, ils sont pas contents. Est-ce qu'on a enfin des jouets pour facochères? Non. Non. On a eu que ça de nouveau, là, qui... Ah, ça. Un bain de boue. Un bain de boue. Voilà qui vont être contents, nos petits facochères avec un bain de boue. Ça, c'est les grenouilles, je suppose. On va les voir après, parce que quand on est en surpopulation de grenouilles, c'est un peu long. Et nos petits facochères, faudra en vendre quelques-uns, hein. On va les laisser grandir. On va les laisser devenir grands et on en vendra quelques-uns. Donc c'est ça, hein, bien effet, bien, surpopulation. Ok. Soigneur en route, tu parles. Tu m'étonnes qu'ils ne se reproduisent pas, quoi. Oh, bon, quand ils se font des nanas. Oh, bon, ils s'aiment fort, ça c'est chouette. Ils se reproduisent pas, mais au moins... Bah, l'alimentation, là, ça va, que leur gamelle est vide. Donc, ouais, c'est ça, ils mangent dans le jouet. Super. Donc, le mâle et la fifi. T'es pas enceinte, par hasard? Bon, les câlins, ça rend pas enceinte. Regardez! Il a un seau! Il a un seau! Oui! Ah, il va remplir le jouet. Mais pourquoi ils remplissent le jouet, mais pas les gamelles? On va changer les gamelles. Ils remplissent que le seau, que le jouet. L'eau, ça a l'air d'aller. Il a l'air d'y avoir à boire. À boire. Voilà. Ah bah là, il y a à manger. Ah ouais, en fait, quand il zingue la balle, il a zingué la balle pour avoir la bouffe. Là, il a mis à manger. Là, il a bien voulu mettre à manger. Ça, c'est pas du tout pour les bons. Non, mais vraiment, je sèche. Ou alors, il faut leur mettre dans une plateforme. Peut-être que les loups, ils ont besoin d'une plateforme de nourrissage. On va essayer ça. On va essayer ça, écoutez. Moi, je sèche, hein. Depuis tout à l'heure, j'ai tout essayé. Je sèche. Il est compliqué, ce jeu. Il est compliqué. Donc, madame, elle vient voir... Oui alors, qu'est-ce qu'il faut? Bah je sais pas moi, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis un peu con-con. Et maintenant tu vas chercher à manger. Non, il n'y a pas de truc pour aller chercher à manger par là. Bon, bah voilà. Elle était là, la cabane pour aller chercher à manger. Ah c'est ça. Pourquoi est-ce qu'ils me remplissent la balle? On va remettre, comme ça il y a un autre du con qui va venir la remplir. Pourquoi ils me remplissent la balle mais pas les mangeoires? Alors là, je sèche totalement. Là, je sèche totalement. Bah écoutez, si vous avez une idée, les commentaires sont les bienvenus. Si vous êtes en train, vous aussi, d'essayer la bêta. Je sèche totalement pour mes pauvres loups. Mais bon, ils s'en sortent grâce aux jouets. Limite, je vais en mettre deux. Mais oui, je suis bête. Hein, ils ont le droit de manger qu'avec des jouets. Bah, on va leur en mettre deux. Voire trois, hein, je sais pas. Hop, on va faire un triangle de joujoux. Voilà.
Comme ça, si les soigneurs les remplissent tous, il y aura à manger. Non, mais vous êtes sérieux. Et puis ça, là-bas, c'est... Hein? Bon. Par contre, on n'a pas de louveteaux. Je vais attendre encore un petit peu, quand même. Espérer d'avoir des louveteaux. En train de m'occuper des licaons, parce qu'il y a encore deux vieux licaons qui se sont battus. Et j'ai entendu ça. Et je me suis dit, mais il n'y a pas de bébé chez les licaons. Pourquoi ça jappe? Oh là! Et ils sont mastoc par rapport aux parents. Oh là là, mais il y en a combien? Je crois qu'ils sont directs en surpopulation. Mais comment elle a pu en faire autant? Ah ouais, là, l'habitat, ça ne va plus du tout. Ah ouais, il leur faut... Oh! Et finalement, il leur faut quand même un abri. Donc, ils veulent un abri et des zones de couchage. Eh ben, vous êtes compliqués, les doudous. Ben, je vous remets ça, pas de problème. Voilà. Je vous remets ça. Mais il y en a combien, là, des bébés? Attendez, parce qu'effectivement, ils sont pas contents. Maman, maman. Maman, tu nous as fait une portée de combien? 6! Oui, bien sûr! 6 louveteaux! Tu pouvais pas en faire 2 ou 3? D'accord. On va réinitialiser les boules de viande parce que, bien évidemment, on n'a toujours personne qui s'occupe des loups. Donc, bien évidemment, on va avoir un très gros problème de nourrissage avec 6 louveteaux. Vous imaginez bien. Il y a un soigneur qui met de l'eau. Il y a un soigneur qui remplit les boules. Mais il n'y a pas de soigneur qui remplit la viande. C'est un truc de grand malade. Du coup, oh my god, on a des loulous partout, des petits pitchounets partout, c'est trop chou. Ah, ça y est, c'est bon. Toi, ça va? Non, toi, t'es pas content. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, va dans la neige, tu te fous de moi. Ah ouais, non, en fait, c'est parce qu'ils jouent dans la terre. Enfin, tétée votre mère. Et forcément, ils vont jouer dans la terre et après, ils disent ils ont chaud. Mais la zone de neige, elle est pas assez grande, les doudous. Il a mangé! Ouais, il a mangé dans les boules. Il met à manger dans les putains de boules et il refuse de mettre à manger dans les zones de nourrissage. Mais c'est un truc de dingue. Ça me rend folle quand vous êtes en train de vous en rendre compte. C'est en train de me rendre folle. En plus, les louveteaux. Va leur expliquer qu'ils doivent manger que dans les boules, vu qu'apparemment ils sont déjà au stade où ils têtent plus maman. Voilà, les 6 louveteaux. Eh bah super. À faim. Ben ouais. Me demande pas pourquoi personne... Ah bah les louveteaux, ils comprennent vite. Ça, c'est déjà ça. Me demande pas pourquoi personne ne veut nourrir vos gamelles. Ne me demandez pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Utilisation mois dernier, zéro. Bah ouais. Et je ne... Pff. Bon, bah avec les boules, ils trouvent à manger. On va réinitialiser les boules en boucle. Bon, bah voilà, c'est un bug ou c'est moi qui suis teubée, mais bon. Hein, je vais attendre vos commentaires. L'employé, il va... À un moment donné, il y en a un, il va être viré. Hein. Je sais pas lequel d'entre vous. Mais à un moment donné, il y en a un qui va être viré. Non, mais je viens d'en enlever plein des grenouilles. Mais non, mais j'en peux plus des grenouilles. Je fais que ça de retirer des grenouilles. Je fais que ça. Bah tiens, la femelle pleine, là, va faire tes bébés ailleurs. Alors les grenouilles, surtout n'achetez qu'un couple. Ne vous embêtez pas à en mettre plus. Elles passent leur vie à se reproduire. Sauf que vu la taille du terrarium, techniquement, elles pourraient être le double de ça, qu'il n'y aurait aucun problème. Mais dans le jeu, ils ont décrété que c'est un problème. Donc il faut en virer régulièrement. Ok, du coup notre louve, bah on avait une louve de trop, et du coup on n'en a rien fait. Et maintenant la remettre avec les jeunes. Merci le beau. Maintenant la remettre avec les jeunes, je pense pas que ce soit l'idée du siècle. On va laisser tout le monde grandir. Et qu'est-ce qu'il y a au plafond? Oui, c'est le ciel. Oui, il y a du soleil. C'est trop. Pauvre doudou. Tu viens faire quoi toi? Qu'est-ce qu'elle vient faire elle? Nettoyer, mais c'est mieux que rien! Mais vous voyez, c'est pas un problème de rentrer dans l'enclos. Ils n'ont pas de souci à rentrer dans l'enclos vu qu'ils mettent à manger dans les boules et ils nettoient. Donc ils rentrent les soigneurs dans l'enclos. Ils le connaissent, ils le voient. Ils rentrent. Attendez, mais en plus, moi les soigneurs, je suis en train de les former. Ces cons-là, ils sont passés à 2 étoiles. J'ai dû les augmenter vachement parce qu'ils n'étaient pas contents au niveau des sous. Mais flûte à l'heure de crotte pince. Bon, ils sont où mes vétos? Pourquoi j'ai plus de vétos? Parce que ça ne veut plus bouger là. C'est bleu, c'est bleu, c'est bleu. Ah oui, puis j'ai plus la zone en haut. Ouais, bon, c'est bloqué.
Voilà. Et on a quelques animaux. Bon. Et ben voilà, on a eu nos louveteaux. C'est pas si mal. On a eu des petits phacochères aussi. On a des louveteaux qui sont en train de courir de partout. La moitié doit avoir faim. Ça va encore. Je nourris des loups avec des boules de jeu. Ben voilà, super. Bon, on a des louveteaux. Ça, c'est top. On a réussi à avoir des petits nounoufs. Je sais pas du tout quelle espèce je vous fais après. Surtout si plus on s'éloigne dans le zoo, plus les gens sont... Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, il faut peut-être qu'on... Oh, ça va les facochères avec la zone de neige, là? Ou alors, il faut que je coupe l'enclos comme ça. Il y a un truc qui va pas parce que les enclos sont trop près. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. En plus, je suis partie en longueur, là. Mais du coup, j'aurais dû faire une route qui va par là. Pour mettre d'autres enclos. Ou alors on va faire une route par là. Mais est-ce qu'ils vont bien vouloir aller s'en occuper, les soigneurs? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Je sais pas si vous l'entendez, mon téléphone est fou, il parle tout seul. Alors elle me le fait régulièrement, hein. Je ne dis pas ok Google, je dis juste ok je pense. Et du coup mon téléphone me raconte des trucs. Voilà, c'est ce qu'elle vient de faire, je sais pas si vous l'avez entendu. Bon, écoutez, si vous avez des idées, etc. pour améliorer le zoo, n'hésitez pas. En tout cas, on a nos louveteaux, c'est pas si mal, même si la zone me rend folle. Je dois réinitialiser les boules toutes les 5 minutes. Mais on a trouvé une solution pour qu'ils meurent pas de faim. Et du coup, il faudra qu'on essaie de mettre un enclos en face et qu'on voit si c'est le même cafouillage. En tout cas, bon, il y a encore des bugs, mais on arrive quand même à jouer. J'ai quand même hâte d'avoir la version définitive avec toutes les espèces et moins de bugs. En tout cas, je vous fais des bouchous, je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde, et n'oubliez pas de liker. Time flies, close your eyes, imagine you could see.